Salut tout le monde! Une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va découvrir la quête où se trouve Archie, une quête qui est apparue à la tour cette semaine avec le reset de ce mardi. Donc c'est une quête que vous pouvez trouver tout simplement à l'ancien emplacement d'Archie auprès de Adawan sur la partie gauche de la tour. C'est une quête en 5 étapes qui se fait très facilement, c'est une petite quête très sympathique à découvrir. Et vous allez voir qu'elle vous droppera au final du lore, un emblème et une peluche dans le store. C'est parti, on découvre ça ensemble. Première étape, il va falloir donc retrouver Archie qui est parti en exploration sur la tour. Le premier emplacement où se trouve Archie n'est autre que le resto de ramen, l'ancien resto de ramen de Cade. Et vous allez d'ailleurs vous rendre compte très rapidement en réalisant cette quête que toutes les étapes font écho à notre vieille amie Cade 6. En réponse aux dernières annonces qui sont parues ces derniers jours. Le deuxième spot d'Archie n'est autre qu'au niveau de la statue de Cade 6 sur la place centrale de la tour. On poursuit encore et pour le troisième stop, vous trouverez des traces d'Archie au hangar sur la partie droite de la tour. Il s'est arrêté tout simplement au shop d'Amanda Halliday. On continue toujours dans la partie du hangar de la tour. Archie s'est aventuré dans les conduits du hangar et on y accède pour ceux qui ont oublié au niveau des escaliers de Xur. Donc vous cheminez le long des conduits et vous allez jusque dans les parties hautes du hangar pour pouvoir retrouver Archie et ainsi valider la cinquième et dernière étape. Cinquième et dernière étape dans laquelle on vous demandera tout simplement de parler à Adawan. Une fois que vous validez cette cinquième étape auprès de Adawan, vous allez ainsi pouvoir débloquer une page de lore et un emblème qui se nomme Acier Bleu, dont vous voyez le rendu visuel actuellement à l'écran sur mon arcaniste. A savoir que vous allez également débloquer une peluche sur le Bungie Store. Cette peluche n'est autre que la peluche d'Archie qui a été revisitée, c'est-à-dire que c'est globalement la même visuellement que précédemment, sauf que cette fois-ci, petite particularité, elle est photoluminescente, elle pourra donc briller dans le noir. Attention, 34€ tout de même, frais de port non compris. C'est tout pour cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne soirée à tous, profitez bien, geekez bien, et à très bientôt, ciao ciao !